Bonsoir à tous et chacun, et c'est l'heure de suivre votre émission que vous aimez bien sur la chaîne Référence Antenna. Il s'agit de Podium F, vous comprenez, Podium de la femme. Nous avons l'opportunité de recevoir les femmes, toutes catégories confondues. Ça, c'est une opportunité pour vanter la femme, pour vous présenter les femmes qui sont en face de nous, de quoi elles sont capables. Pour ce numéro, nous avons une grande surprise. La surprise, c'est en face de moi, il s'agit de Madame Gladys Mamboulou Mvouemba. Bonsoir, Madame Gladys. Bonsoir, Madame Adèle. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Madame Gladys est initiatrice de Titos de Gladys. D'emblée, vous pouvez nous parler de votre parcours? Merci, Madame Adèle. Bien sûr, je peux vous parler de mon parcours. Ce que je peux dire, c'est que depuis mon jeune âge, j'ai eu un goût particulier pour la lecture. Et donc, dès l'école primaire, le secondaire, où j'ai fait mes études, et à l'université également, où j'ai fait les sciences sociales, politiques et administratives. Mais ensuite, je me suis lancée dans des formations autour de la communication. Et donc, depuis environ 14 années, je travaille dans le domaine de la communication. Et c'est dans ce domaine que j'ai plus exercé aussi le goût de la lecture que j'avais, mais aussi de communiquer. Voilà. Gladys, Madame Gladys Mvouemba, vous êtes initiatrice d'apprentissage de la langue française et principalement de découverte et d'analyse des expressions françaises explicitées. En effet, j'ai pensé à un concept novateur, je dirais, ici en RDC, parce que, bon, dans le reste du monde, certainement, il existe. Il y a des émissions comme ça de langue française. Et donc, ayant mené une réflexion avec mon mari, nous nous sommes rendus compte que notre jeune fils de 8 ans avait tout le temps des questions à nous poser sur les expressions françaises. Wow. Et donc, j'ai même parlé de cela dans le premier épisode de mes tutos. J'ai dit ceci, je vais juste reprendre la phrase que j'avais dite. Il ne se passe pas un jour sans que mon fils de 8 ans ne m'interroge sur le sens de telle ou telle autre expression. Le but de cette série de courtes vidéos est de voir et d'expliquer, d'analyser ensemble le sens. J'imagine déjà que c'est un enfant studieux. Ah oui, je ne vous le dis pas. Par exemple, c'est ça, poser tant de questions aux parents. Exactement. C'est juste une particularité des enfants studieux. Exactement. Et donc, le but de ces courtes vidéos, c'est d'analyser ensemble le sens de telle ou telle autre expression de la langue française. Nous nous sommes dit, comme nous, il y a certainement des parents ici, au Congo, à Kinshasa, ou dans le reste du pays, mais aussi à l'étranger, qui ont certaines questions sur la langue française, un mot quelconque ou une expression. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas venir en aide à ses parents, mettre sur place une émission dans laquelle il y aurait exactement toutes ces explications que les tout-petits recherchent, mais aussi certains parents qui pourraient aussi apprendre ou pourquoi pas se rappeler de certaines choses, parce qu'il y a des choses qu'on a apprises il y a peut-être longtemps, on a oublié, mais avec les tutos de Gladys, c'est aussi une manière de nous rappeler toutes ces choses que nous avions peut-être oubliées. Mais comment vous avez procédé exactement pour pouvoir concevoir et matérialiser ces projets d'apprentissage de la langue de Molière? Voilà. Et donc, comme je le disais, lorsque nous nous sommes rendus compte de ce fait avec mon mari, nous nous sommes dit, tiens, ce serait bien de mettre en place une telle initiative. Et donc, dans nos différentes recherches, lectures sur Internet, et nous avons pu collecter déjà environ 300 expressions françaises, et donc que nous avons au départ... De quel auteur, par exemple? Oh, il y a plusieurs auteurs, il y a vraiment beaucoup d'auteurs. Et donc, nous avons mis en place, sélectionné d'abord 300 premiers mots que nous avons répartis par semaine. Donc, en fait, il y a une expression par semaine.
Et au fur et à mesure que nous évoluons, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de l'interaction. Donc ça veut dire que l'élément qui était produit et diffusé était intéressant, quelque part. Et nous nous sommes dit, ben tiens, pour faire participer nos followers, parce que jusque-là, nous ne sommes que sur les réseaux sociaux. Okay. Alors, pour faire participer nos followers que nous aimons et que nous remercions aussi, parce qu'ils nous suivent, ils commentent, ils likent, ils partagent régulièrement, ben nous nous sommes dit, pourquoi pas organiser quelque chose qui soit interactif. Et donc là, nous avons commencé à collecter les expressions qui sont proposées par nos followers. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut me contacter, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Twitter, par Facebook, que ce soit dans le corps du message ou inbox, des gens qui nous écrivent pour nous dire, voilà, moi je vous suggère telle expression. Okay. J'aimerais bien que mon expression soit traitée et développée au cours d'un épisode, par exemple. Et jusqu'à ce niveau, ça marche bien. Très bien, très bien. Mais la langue française, c'est la langue qui est officielle ici en République démocratique du Congo. Exact. Vous visez quel type de public? Le public est varié, je dirais. Le public est très varié, partant des tout petits aux plus grands, comme je le disais. Il y a des questions qui viennent des tout petits, il y a des plus grands qui font peut-être semblant de connaître beaucoup de choses, mais il y en a quand même qui vous posent quand même des questions aussi. Et les parents, pourquoi pas? Des grandes personnes, il y a parmi nous, c'est pour toute la population, hein, c'est pas seulement des émissions élitistes, non, c'est pour toute la population. Alors, par ces tutos, c'est justement pour aider à ce que tout le monde puisse arriver à ce niveau-là, à comprendre des simples expressions françaises en partant du plus simple au plus complexe. Okay. Pourquoi pas? Voilà, l'occasion faisant les larrons, parlez-nous un peu en long et en large des Titos, des Gladys, c'est l'intitulé de votre émission, voilà, oui. Sur les réseaux sociaux bien sûr. Exactement, donc pour l'instant nous sommes sur les réseaux sociaux, les tutos de Gladys c'est juste une initiative, je dirais un concept par lequel nous sélectionnons des expressions françaises, nous les analysons, c'est-à-dire nous cherchons quelle est l'origine de ce mot, de cette expression, quelle est son origine, quelle est son étymologie. Quand est-ce que ce mot ou cette expression a été utilisé pour la première fois? Dans quel contexte? Et ensuite, quel est son, je dirais, comment est-ce qu'il est rendu aujourd'hui pour être mieux compris par la population, par les francophones? Donc voilà, c'est vraiment le travail que nous faisons dans les tutos de Gladys. Et tout cela se fait en 1 minute 30. C'est vraiment une recherche que nous faisons pendant, je dirais, une semaine. Le timing est suffisant, vous trouvez? Oui, largement, parce que nous avons une semaine pour faire des recherches. Ensuite, nous tournons l'émission. Oui, nous tournons l'émission. Nous faisons, nous préparons, il y a le montage qui est fait ensuite. Et après, c'est la diffusion, la post-production. Donc, nous diffusons sur les réseaux sociaux et nous faisons une dissémination. Permets-moi de faire un petit exercice. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas cibler trois mots que vous avez à sélectionner et nous expliquer, nous donner de plus amples explications? Exactement. Pour que les téléspectateurs qui suivent en ces moments, les tout petits ou les tout grands, puissent comprendre sans problème. Voilà. Je me rappelle la toute première expression que j'ai eu à traiter, c'était le mot abracadabrantesque, par exemple. Quand j'ai fait cet épisode, ben, j'avais les tout petits qui étaient contents, qui ont suivi et qui ont demandé à leurs parents de remettre, de regarder. C'était vraiment intéressant. Et ce mot veut juste dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, incompréhensible, un peu fou. Okay. Voilà, c'est vraiment ce qui nous dépasse. C'est pas comparable au Burke. Non. Ouais. Cette histoire est abracadabrantesque. Ça veut juste dire une histoire incompréhensive, une histoire que nous ne savons pas décrire. C'est vraiment dans ce sens-là. Ça, c'est la toute première expression ou le premier mot que j'ai eu à traiter dans les tutos de Gladys. Mais ensuite, on a parlé, je prends un exemple comme ça, on a parlé de « advienne que pourra ». Advienne que pourra, c'est juste pour nous dire « ben voilà, j'ai fait ce que je devais faire, je ne peux plus rien faire,
advienne que pourra. Oyekoya eya. Exactement. Voilà. Comme on dit en lingala, voilà. Oyekoya eya. Voilà. Voilà. Donc c'est exactement ça, advienne que pourra. Et l'une des expressions qui m'a marquée aussi, qui a eu un peu plus d'interaction aussi avec mes followers, c'était peigner la girafe. Voilà. Ça, c'est très compliqué. Ah, ça les mots, mais ça va voir moi-même. Exactement. Peigner la girafe, ben c'est juste... Ça, c'est une expression qui nous a été suggérée par un de nos followers. Ce sont des figures, des styles ou bien des expressions? Des expressions, wow. Oui. Et donc, c'est une expression qui nous a été suggérée par un follower. Et nous avons mené des recherches. Ce n'est pas un travail facile. Vous allez sur Internet, vous avez le tout et puis voilà, vous balancez. Vous avez peut-être des lignes, des pages et des pages. Vous devez résumer cela en une minute trente. Si je ne me trompe pas, peigner la girafe, c'est apaiser une situation. No. Je sais pas. No. Et c'est quoi exactement? Peigner la girafe, c'est juste perdre son temps. Wow. Ne rien faire. Mm-hmm. Parce que vous voyez une girafe, vous montez d'abord sur une échelle, okay, pour arriver jusqu'à là où se trouve sa crinière. Et ensuite, vous prenez une brosse, un peigne pour essayer de peigner. C'est un travail, exactement. Ok. C'est une perte de temps. Mm-hmm. Vous ne finirez jamais. Ça vous prendra tellement du temps pour aucun résultat. Je sais que ceux qui nous suivent sont en train de noter. Exactement. S'il vous plaît, encore des exemples. C'est très intéressant. Donc, si je peux penser encore à un exemple, le tout dernier. Vous qui aimez rien faire, il faut éviter de peigner la girafe. Éviter de peigner la girafe. Eh voilà, oui. Il faut vous occuper toujours. Voilà. C'est toujours important. Exactement. Et voilà, si vous suivez les tutos, il y a toujours, enfin, pas sur le tout, mais il y a certaines expressions, mm-hmm, qui, à la fin de l'explication, nous donnent un petit conseil. Par exemple, lorsqu'on a fait l'expression peigner la girafe, ben, on dit aux gens, ben, évitez de peigner la girafe. Faites quelque chose. Trouvez quelque chose à faire. Donc, voilà, on a toujours un petit conseil comme ça à donner, parce qu'on voudrait, c'est vrai, parler des expressions françaises. C'est vrai, apprendre le français ou améliorer son français, c'est vrai, mais aussi apporter un plus, c'est-à-dire arriver à un changement de mentalité dans le bon sens. C'est vraiment le but aussi de ces émissions. Mais il y a plusieurs ouvrages qui véhiculent aussi la langue française, ainsi de suite. En quoi vous vous différenciez? Parce qu'il y a le dictionnaire déjà. Exactement. Voilà. Oui, le dictionnaire existe, des émissions existent. Mais encore, je prends juste l'exemple du dictionnaire. Pour aller chercher un mot ou une expression dans un dictionnaire, il faudrait la connaître. Voilà. Ou il faudrait avoir entendu ce mot ou cette expression. Vous n'irez pas dans le dictionnaire dire voilà, moi je vais lire mon dictionnaire aujourd'hui de A à Z. Non, ça se fait pas. Vous n'allez pas lire votre dictionnaire de A à Z. Ben, vous direz ok, ah tiens, j'ai entendu ce mot. Google aussi a simplifié les choses. Exactement. Vous direz, ah tiens, même sur Google, vous direz, tiens, j'ai entendu ce mot, ben je vais le googliser, par exemple. Voilà. Je vais feuilleter mon Robert ou mon Larousse pour trouver la signification de ce mot. Mais il faudrait d'abord l'avoir entendu. Ben, avec les tutos de Gladys, vous pouvez ne pas connaître. Je prends l'exemple, peigner la girafe. Vous ne connaissiez pas avant. Ouais. Voilà. Perdre et donc, son temps inutilement. Exactement. À rien faire. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on fait maintenant. Hein. Ah. Voilà. Donc, avec les tutos de Gladys, vous apprenez. Peut-être qu'il y a une expression que vous avez déjà entendue, mais il y a longtemps, vous l'avez oubliée. Elle revient, elle refait surface. Et de nouveau, vous apprenez à son origine. Surtout, ce que nous nous donnons, c'est d'abord l'origine du mot ou de l'expression. Quand est-ce qu'il a été utilisé pour la première fois? Mais après l'origine, on vient ensuite vous dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il signifie? Oui, quand il a été utilisé, on donne le contexte, le pourquoi. Et après ça, on vient à ce jour, voilà, il est utilisé dans tel autre. Vous utilisez comme moyen de communication les réseaux sociaux, je vois les tweets, Facebook, ainsi de suite. Mais les tout petits qui sont dans les coins, les coins reculés de la République démocratique du Congo, ils vont saisir cette opportunité comment? Oui, je suis d'accord avec vous, Madame Adèle, mais je pense que c'est un début, d'abord. Et ce qui est vrai, c'est que nous sommes à Kinshasa.
Mais il y a quand même des coins, beaucoup de coins ici dans notre pays où les télécommunications, les réseaux de télécommunications sont implantés. Voilà. Et donc je pense que dans ces coins-là, il y a quand même des gens qui ont la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, parmi nos followers, nous avons beaucoup, nous avons des personnes qui sont à Lubumbashi, que nous n'avons connu que par les tutos. Nous nous étions jamais rencontrés. Même ici à Kinshasa, il y en a que nous avons connus au travers des tutos de Gladys. Il y en a qui sont à Lubumbashi, il y en a qui sont à l'Est, à Goma, et tout ça. Il y en a qui sont au Congo central. Donc, pour vous dire que, avec notre produit, la géolocalisation... Ceux qui sont à Ngomba, Kikusa, par exemple, ici à Kinshasa, ou dans d'autres coins du pays, d'accord, ne vont pas profiter de l'avantage de ces projets, vous ne trouvez pas? Oui, vous avez raison, mais j'allais juste ajouter... à la dimension d'un continent. Exactement. Alors, il faut d'énormes efforts pour que ces projets puissent atteindre même ceux qui sont au fin fond du pays, voire même dans la capitale, parce qu'on sait qu'il y a de ces coins enclavés qui restent enclavés en pleine capitale Kinshasa. Voilà. Donc, j'allais juste rajouter que... C'est un projet qui est très important. C'est vrai. C'est vrai. Que ceux qui sont dans les coins reculés, sincèrement, pour l'instant, je sais que nous ne savons pas encore les toucher. Ça, c'est une réalité. Nous ne savons pas encore les toucher, vu que nous sommes uniquement dans les réseaux sociaux. Donc, nous atteignons plus facilement ceux qui sont dans les grandes villes, je dirais, de la RDC, et aussi ceux qui sont à l'extérieur. Vous pouvez utiliser des tracts, par exemple. Bon, pourquoi pas? Des tracts oui. Où c'est repris, peigner la girafe et vous donner les explications, vous distribuez ça comme ça, vous jetez comme ça. Celui qui a la chance d'en avoir, et il comprend directement et ça sera aussi une bonne façon d'enseigner ou de donner l'opportunité de faire profiter de ces projets à tout le monde. Donc, je suis totalement d'accord avec vous, mais vous serez d'accord avec moi également que cette méthode nous coûterait quand même assez cher et nous demanderait donc de mettre un peu plus de paquets financièrement pour pouvoir arriver à atteindre cette cible-là. Parce que pour l'instant, notre cible, c'est vrai, est beaucoup plus sur sur Kinshasa, les grandes villes de la RDC et l'extérieur du pays, parce que dans nos statistiques, nous avons des statistiques que nous suivons à chaque publication et nous savons voir que les tutos sont suivis, je ne sais pas, au Brésil, par exemple, suivis aux États-Unis, en France, dans des pays où il y a même plus, il y a certains pays d'Afrique aussi, où personnellement, je n'ai peut-être pas de connaissances, mais je suis surprise de voir dans les statistiques que nous sommes suivis dans certains pays africains ou même en dehors de l'Afrique, dans le reste du monde. Voilà. Donc ça, c'est déjà très bien. Sur une période de un mois et une semaine, vous êtes arrivé à réaliser 21 épisodes. Cinq mois. Quelle rapidité. Oui, parce que nous faisons un épisode par semaine. Okay. Oui, donc une expression est traitée pendant une semaine, comme je vous ai donné le processus. Et donc... par semaine, nous diffusons un épisode. Et donc, par mois, nous avons déjà 4 épisodes. Et là, nous sommes à 5 mois, nous tendons déjà vers notre 6e mois. Et je crois qu'au fur et à mesure, nous acquérons également de l'expérience dans ce que nous faisons. Et je crois que, Dieu voulant, nous verrons toujours dans quelle mesure est-ce que nous pourrons également toucher cette cible des coins reculés de la RDC. Oui. C'est combien de temps comme ça exactement que vous avez commencé à diffuser ces épisodes? Donc vois le temps de préparer et de pouvoir diffuser par après. En une semaine, comme je disais. Okay. Oui, en une semaine. Donc il y a le travail de sélectionner l'expression. Pour chaque épisode. Oui. Okay. Donc sélectionner l'expression, faire des recherches, faire le tournage. Ensuite le montage, on a le produit fini. Ensuite, on met sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, même sur YouTube, nous sommes là, TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, voilà, nous sommes là. Et sur les réseaux sociaux, c'est bien beau, mais vous recevez aussi des critiques constructives. Je crois que les réseaux sociaux sont free,
Ils sont libres. Donc, même les personnes qui réagissent sont libres de nous dire « Ah oui, ça c'est très bien, j'ai appris. » Ou de nous dire « Sincèrement, je vous avoue que c'est un peu rare quand même. » C'est très, très rare. Sur les réseaux sociaux, il y a des champions en découragement. C'est toutes ces personnes-là qui sont à l'extérieur du pays, qui passent leur temps à peigner la girafe. Alors, ils sont là sur les réseaux sociaux pour critiquer dans l'optique de nuire tout simplement. Voilà. C'est vrai que il y a plusieurs réactions que nous recevons, mais jusque-là, nous n'avons pas reçu d'insultes. Dieu merci. Nous n'avons pas reçu de messages décourageants quand même. Et tout va dans le sens de... Certaines personnes nous contactent inbox, quand même, pour me dire, voilà, j'ai une toute petite remarque, essayez d'améliorer ceci ou cela. Ça arrive. Et ce que j'apprécie, c'est que ces personnes ne viennent pas dans le message ou la page principale où tout le monde peut lire. Ils nous contactent alors inbox pour nous dire, voilà, madame, j'ai beaucoup apprécié, mais peut-être essayez de corriger ceci ou cela. Ça, c'est parfait. On ne peut pas refuser de remarques, de critiques. La critique constructive, elle est toujours importante et ça nous aide à nous améliorer. Donc ça, on ne peut pas refuser. Mais donc voilà, c'est un peu ce ça. Ce sont les élèves ou les enfants qui sont considérés en première position. Mais quelles sont les réactions des parents aussi? Oh, surtout j'ai, les parents de ces élèves qui bénéficient de vos encadrements. Je vous assure que moi, j'ai beaucoup de feedback positif. De parents, la plupart que je rencontre, enfin que je lis, puisque la plupart on se voit pas, mais on se lit, voilà, la plupart que je lis sur Twitter par exemple. Sur Twitter par contre, j'ai très souvent des étudiants qui lisent et qui réagissent. J'ai aussi certaines personnes quand même casées dans la vie qui lisent aussi et qui réagissent. Et particulièrement, c'est plutôt des personnes qui me connaissent directement et qui prennent ces éléments qui sont diffusés, les montrent à la maison, à leurs enfants. Il y a des personnes qui, chaque lundi, d'office, ils savent que chaque lundi, ben, puisque l'élément est diffusé au courant de la journée du lundi, très souvent c'est le lundi matin, il n'y a pas une heure fixe, mais c'est le lundi matin. Donc, du coup, il y a des familles qui se disent, chaque lundi soir, on commence par les tutos parce qu'on sait que ça a été diffusé la journée. Donc, ils se connectent et ils regardent en famille. Et en famille, ils apprennent, ils commentent. Et il y a certains parents, alors, qui me font le feedback après. Wow. Oui. Ah, tiens, on a regardé avec les enfants, ils ont beaucoup aimé. Merci beaucoup. Oui. Donc, il y a des parents comme ça qui regardent en famille et qui commentent. Il y a certaines personnes qui me disent, ah, mais tiens, chaque fois que vous avez publié, envoyez-moi inbox parce que j'aimerais aussi montrer à mes enfants à la maison. Oui, donc il y a beaucoup de ces cas qui arrivent. Voilà, la manière dont semble se dérouler ou s'exécuter ces projets, vous êtes satisfaite jusque-là ou bien vous rencontrez des difficultés, lesquelles, par exemple? D'accord. Satisfaite, je dirais, en termes de pourcentage, je dirais à 80%. Vous n'avez pas encore pu atteindre les objectifs bien assignés? Les objectifs, c'est en cours de progression. Voilà. Oui, nous sommes sur la bonne voie, je dirais. Voilà. Nous sommes sur la bonne voie parce que il y a plusieurs contacts que nous sommes déjà en train d'avoir, des soit vers qui nous-mêmes nous dirigeons, ou soit des gens qui viennent nous contacter pour ça. Et donc, nous sommes déjà sur la bonne voie, je dirais. Mais pour contacter pour soutenir ou bien pour apprendre? Non, il y a des personnes qui nous contactent pour apprendre. Parce ou pour que je en sais savoir que ça vous demande plus. Beaucoup. Oui. Il y a des personnes c'est qui. Pas, nous... C'est pas un travail facile. Exactement. Ça demande beaucoup. Alors, il faut qu'il y ait un annonceur ou bien un partenaire pour vous soutenir. Si je vous dis que pour l'instant, nous travaillons avec le faible moyen du bord, c'est-à-dire un téléphone. Un téléphone. Je ne donnerai pas la marque parce que je ne viens pas faire la publicité de ce téléphone. Ça, c'est bien. Ensuite, des lampes, de maison, des lampes. Si je vous dis que le tournage se fait chaque jour chez moi dans mon salon. Voilà. Bon, je ne vais peut-être pas le dévoiler ici, mais c'est comme ça que nous le faisons pour l'instant. Et c'est un décor que nous avons choisi et que nous souhaitons garder. Sur mon fauteuil, devant ma tasse de café, avec quelques petits biscuits de côté, parce que c'est un matin,
On voudrait commencer la semaine ensemble avec un petit café, une petite tasse de café. Mm-hmm. Vous souhaitez une bonne semaine. Voilà. Et donc, nous travaillons ainsi, mais nous souhaitons avoir un plus quand même. Nous souhaitons avoir un plus, c'est-à-dire améliorer la qualité de nos tutos. Parce qu'au départ, c'est fait pour les réseaux sociaux, avec la qualité des réseaux sociaux. Mais là, notre souhait, l'idéal serait pour nous de les améliorer et pouvoir, pourquoi pas, les diffuser sur nos chaînes, sur nos chaînes nationales. Qu'est-ce qui manque jusqu'à là dans votre projet, tous des Gladys? Ce qui manque, justement, je crois que c'est ce que je suis en train de dire ici, je pense que la prochaine phase, après les réseaux sociaux, serait maintenant de pouvoir les diffuser sur nos chaînes. Voilà. C'est un élément d'une minute trente maximum, okay. Parce qu'il y en a qui font moins. Et je pense qu'en les diffusant, faire des tracts, comme vous avez dit, c'est très bien, mais les diffuser aussi sur les chaînes nationales qui émettent jusqu'à l'intérieur du pays, vraiment dans le fin fond, je pense que là aussi, nous pourrons être plus suivis. Et à part cela, nous voyons plus grand, nous pensons plus grand. Pourquoi pas les diffuser un jour sur les chaînes internationales? Parce que là aussi, nous avons des Congolais de la diaspora, nous avons ceux qui vivent dans le monde anglophone et qui oublient des mots français, qui oublient des expressions françaises, mais en les suivant un jour sur TV5, parce que je sais que TV5 Monde, par exemple, ou TV5 Afrique, émet sur des chaînes, émet aussi dans des pays anglophones. Et donc, en passant, sachant une personne qui sait que voilà, il y a les tutos de Gladys qui passent tel jour à telle heure, ben la personne au moins... Mais vous n'avez pas copié ces projets ou cette idée de quelque part? Exactement, beaucoup de gens me posent cette question. Ouais. Plusieurs personnes m'ont posé la question. Mais si je vous dis, madame, que cette idée m'est venue sans avoir suivi cette émission-là une seule fois. C'est après, lorsque les gens me disaient, ah mais tiens, il y a une émission qui passe sur... Voilà, j'ai dit, ah ben tiens, ok, sur je vais... 24, si je ne me trompe pas. Je vais TV5 sur TV5, Monde. Oui. Voilà. Et je dis, ben tiens, je vais chercher, je vais voir comment ça se passe. Et donc, j'ai suivi. J'ai vu le monsieur. L'abondance ne nuit pas. Exactement. Voilà. J'ai vu le monsieur et je me suis dit, mais tiens, je suis dans le bon. Parce que moi, l'idée m'est venue comme ça, mais il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, qui a commencé à le faire depuis plusieurs années. Plusieurs années. Je me suis dit, ben tiens, je suis dans le bon. Alors, on va continuer. On ne va pas s'arrêter. On va y aller. On Par va rapport avancer. À ces projets, Tutos de Gladys, vous avez déjà intéressé les autorités ou le pouvoir public par rapport à ça? Formellement, non. De manière formelle, non. Non. Mais nous avons eu quelques échanges, quand même, je dirais. Quelques échanges. Pour rendre ces projets un peu plus efficaces. Si exactement. Vous trouvez pas. Voilà. C'est pour ça que je disais même là tantôt que l'idéal serait de pouvoir passer à une autre étape, donc diffuser sur une plus grande échelle, notamment sur les chaînes de télévision. Étendre le projet sur le plan national. Exactement. Voilà. L'étendre sur le plan national, parce qu'on ne veut pas se limiter seulement à Kinshasa ou dans les grandes villes du pays, mais tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Sincèrement. Même chez moi, mes enfants, chaque fois que je fais ce tournage, ils me demandent, ah mais tiens maman, c'est quoi l'expression d'aujourd'hui? C'est quoi l'expression de la semaine? Je donne l'expression, ah mais ça signifie quoi? Ou lorsque le tournage doit avoir lieu demain, ça signifie quoi? Moi j'ai dit, mais patiente, patiente, tu verras, je donnerai l'explication. Et donc là, ils sont là, ils suivent aussi, ils apprennent. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on a appris, après, dans le langage quotidien, il te balance un mot, il te balance une expression. Et ça, c'est très bien. Mais, Madame Gladys, vous ne pensez pas qu'il y a, il y a des couacs? Je veux dire, aujourd'hui, quelle est l'importance ou la valeur de la langue française en République démocratique du Congo quand on sait que la langue, l'anglais gagne du terrain partout dans le monde? Les affaires, maintenant, tout c'est fait en anglais. Hein. Bien sûr, en effet. Vous avez totalement raison. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais n'oublions pas que la langue française, le français, est d'abord notre langue de travail. Un pays francophone. Nous sommes un pays francophone. Voilà.
D'abord, en commençant par nous-mêmes ici, au Congo, nous sommes un pays francophone. Et donc, nous devons utiliser cette langue. Nous sommes obligés d'utiliser cette langue au quotidien. Et donc, ça ne fait de mal à personne d'utiliser certaines expressions dans notre langage quotidien. Voilà, parce qu'il y a des organismes internationaux implantés ici au Congo-Kinshasa pour y travailler. Là où on rémunère quand même assez bien, il faut à tout prix connaître et maîtriser la langue, l'anglais. Exactement, vous avez raison, Madame Adèle. Mais seulement, l'anglais seul ne suffit pas. Quand vous connaissez le français, vous maîtrisez la langue française, et en sus de cela, vous ajoutez l'anglais. C'est la langue française, au contraire, qui est la plus difficile. Raison pour laquelle il y a cette initiative d'apprentissage à la langue française. Cette initiative, vraiment, pour nous aider à connaître ces petites expressions que nous avons oubliées ou que nous ne connaissons pas. Certaines que nous ne connaissons pas, que nous apprenons et que nous sachions les utiliser dans notre quotidien. Donc, connaître l'anglais ou même évoluer dans un monde anglophone, c'est pourquoi je vous disais que même les Congolais de la diaspora, c'est très important pour eux aussi, parce que évoluer dans un milieu anglophone, vous êtes d'origine francophone, et surtout, vous avez une émission qui vous rappelle certains mots, certaines expressions françaises que vous aviez peut-être oubliées. Ça, je trouve que c'est... Nos enfants qui suivent, par exemple, les Télétoon et autres chaînes étrangères, quand même, sont en avance par rapport à ces projets. Parce que là, ils ont déjà, à travers des dessins animés et au quotidien, ils apprennent déjà beaucoup aussi. Ah oui, c'est vrai, ils apprennent beaucoup. Bien que c'est les français, les argots, ils apprennent plus les argots. Ils apprennent beaucoup. Mais comme je vous ai dit, moi, mon fils, c'est toutes ces choses qu'il suit et tout ça. Il suit même des chaînes de... comment ça se passe et tout ça, il essaye d'apprendre, il aime bien, il aime la découverte et tout ça. Ma fille aussi, il peut souffrir de la compréhension. Mais maintenant, et ces mots, les mots. Ça, non, malgré cela, malgré, malgré le fait qu'ils avaient quand même déjà un petit pas en avant, même par rapport à ses amis de classe, hein, sincèrement, malgré ce fait-là, ils venaient quand même avec des questions. Voilà. Ils venaient quand même avec des questions. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on s'est dit, mais tiens, c'est important. Donc, malgré le fait que les enfants suivent Télétoon, Piwi Plus, Tiji, Manga, ou je ne sais quoi, il y a toujours des expressions, ou soit qu'il a même entendu dans son dessin animé, qu'il vient vous poser pour en savoir plus. Ah, mais tiens, j'ai entendu ceci, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez? Donc, je crois que c'est toujours important, même pour ces enfants qui suivent Canal Plus ou voilà. C'est pas les argots, hein, non. Non, ça dépend. Très souvent, dans ces dessins animés ou ces séries pour enfants, oui, ça varie quand même selon un âge. Pour les tout petits, il y a quand même certains mots qu'ils évitent. Il y a quand même certains mots qu'ils évitent, mais à partir d'un certain âge, quand même, ils commencent à utiliser quand même assez de gros mots, et ça, c'est pas très bon. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'un enfant est déjà bien encadré, qu'il est déjà sur une bonne voie, il sait distinguer là où il y a un mot qu'il ne doit pas répéter, ou un mot qu'il peut répéter, venir poser la question à ses parents. Comment procéder pour vous atteindre? Moi, je trouvais que ça allait être aussi nécessaire ouvrir un centre, que vous ayez une adresse où on peut se rendre facilement avec les enfants ou les parents eux-mêmes dans l'optique d'apprendre toujours les bien fondés des totus dégradés. Non, vous avez raison, Madame Adèle, c'est une très 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 bonne idée. Mais comme je vous ai dit, c'est encore quelque chose qui nous demanderait des moyens supplémentaires. Nous prenons note de tout cela. Aujourd'hui, je pense, comme je crois que je vous l'ai dit tantôt, à ce jour, nous n'avons pas de sponsor. Nous n'en avons aucun.
Donc, nous travaillons sur fonds propres. Parce que bientôt, c'est les vacances. Exactement. Les parents peuvent amener leurs enfants. Voilà. Ils sont en face de vous, vous les apprenez facilement, au lieu de n'utiliser que les réseaux sociaux. Parce que tous les enfants n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, voilà. Exactement. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous allons devoir réfléchir. Avec les coupures intempestives du courant électrique, les phones sont souvent déchargés. Les télévisions également. Mais si on sait qu'il y a une adresse, c'est facile de s'y rendre et apprendre sans problème. Oui, en effet, nous allons pouvoir y réfléchir et voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons porter des solutions face mais là, à ça. Mais là, ça sera moyennant. Oh, ça, je ne sais pas vous le dire. Je ne sais pas vous le dire en ce moment, mais nous apprenons gratuitement. En principe, nous devons donner gratuitement. Donc, c'est d'abord transmettre cette connaissance, ce savoir. Partager cela au tout petit et pourquoi pas au plus grand. Et ensuite, ben, le lucratif, ça viendra. Ça viendra. Voilà, Madame Gladys Mamboulum Vimba est initiatrice d'apprentissage de la langue française et principalement des découvertes et d'analyse des expressions françaises. Les perspectives à venir, si c'est un secret pour personne. Oh non, quelles sont les perspectives? Vous pensez aller plus loin, innover en faisant quoi par exemple? Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut innover, penser à autre chose, aller plus loin. Exactement. Pour l'instant, la première innovation que nous avons déjà faite, qui n'existait pas au départ, c'est que chaque fois que nous recevons des expressions suggérées, nous notons l'auteur de l'expression. Donc la personne en fait, qui nous a suggéré l'expression. Et à la fin du mois, vu que nous avons des statistiques, nous savons voir quelle a été l'expression la plus suivie ou celle qui a eu plus d'interactions, qui a eu plus de partages, plus de likes et commentaires. La maternité n'était pas mon lot, Simone de Beauvoir, par exemple. Voilà, exactement. Et ça, vous expliquez ça comment? Excusez-moi, je vais d'abord expliquer la petite innovation que nous avons portée. Et donc, à la fin du mois, l'expression qui a eu le plus de réactions, le plus d'interactions, est primé. C'est-à-dire, l'auteur de cette expression reçoit une petite récompense. Voilà. Je ne dirai pas encore de quoi il s'agit, mais une petite récompense que nous donnons à la personne qui a l'expression du mois. Okay. L'expression du mois, c'est l'expression qui a été la plus suivie pendant ce mois. Et donc, c'est aussi pour pousser les gens à interagir avec nous. Pousser les gens à nous envoyer des expressions. Faites-le, n'hésitez pas. Par tous les canaux possibles. Tapez les tutos de Gladys sur tous les réseaux. Vous nous verrez et envoyez-nous vos expressions. Si votre expression est sélectionnée, primée, expression du mois, il y a une petite récompense. Voilà. Moi, je commence, la maternité n'est pas mon lot. C'est bien noté, Madame Adèle. C'est Simone de Beauvoir. Très bien. Voilà. Nous notons votre expression et dans les prochains jours, vous la suivrez. Mais essayez quand même d'expliquer un peu des mots, bien que nous sommes à la fin. On comprend ça comment? La maternité n'est pas mon lot. Comme Simone de Beauvoir aimait bien le dire dans ses ouvrages. Ben, la femme, c'est pour parler de la femme. Quand on voit la maternité, on voit la femme. Qu'est-ce que la femme peut faire? On peut développer ça de plusieurs manières. Mais la maternité, c'est d'abord la femme. Voilà. La femme peut intervenir dans plusieurs domaines. C'est vrai que la femme, aujourd'hui, nous cherchons à l'égalité, l'émancipation de la femme. La femme peut intervenir dans plusieurs domaines. Et donc, dans tous ces domaines où la femme intervient, il y a un plus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions. C'était génial. Moi, personnellement, j'ai aimé et je sais que vous aussi, le fidèle spectateur, vous avez aimé et vous allez la contacter sans problème. Un message particulier pour clôturer. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous aimeriez bien dire ou adresser aux téléspectateurs en 2 secondes parce que nous sommes à la fin de cette émission? Oh, d'accord. Je ne vais pas être longue. Je serai vraiment très brève et concise. Les tutos de Gladys, c'est un concept qui a été mis en place pour vous, chers téléspectateurs. Vous êtes francophone, locuteur de la langue française, jeune, petit, plus grand. N'hésitez pas de vous connecter sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Tapez les tutos de Gladys
tuto avec S, les tutos de Gladys sur tous les réseaux sociaux. Et vous nous suivrez tous les lundis matin. Connectez-vous, suivez-nous, interagissez, pourquoi pas. Il y a peut-être un prix que vous gagnerez. Voilà. Merci. Madame Gladys Antenna vous remercie amplement d'avoir répondu à cette invitation de son émission Podium F. Vous comprenez, Podium de la femme. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est demain vendredi à 8h heure de Kinshasa. Remercier la chaîne de référence Antenna qui a disponibilisé ses temps et remercier aussi les preneurs de vue qui sont dans l'ombre. Une très belle soirée à tous et chacun.